Forum des organisations religieuses et associatives FORA, c'est la nouvelle association créée sur le plan national. Ce nouveau creuset FORA désigne une dynamique de coopération entre les différentes religions à caractère diversifié et les organisations professionnelles. La cohésion sociale et la préservation de la paix, voire la prévention de tout conflit, relèvent aussi du domaine des relations interreligieuses. Et c'est à une telle exigence que répond le FORA. La naissance du FORA vient ainsi donner un nouveau souffle à la société civile béninoise et entend œuvrer aux côtés d'autres structures célèbres à l'échelle nationale qu'internationale. L'objectif global de ce forum est de contribuer à la lutte contre la pauvreté par l'amélioration de la gouvernance locale, mais de façon spécifique. Il entend lutter pour la bonne gouvernance locale. Il entend prendre une part active dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Le FORA prendra également part active dans l'encouragement et la mise en œuvre de toute initiative de développement. Nous comptons lutter pour la bonne gouvernance, lutter pour une gestion efficiente et optimale des ressources publiques, s'évertuer à être un creuset de foi, d'éthique et de justice distributive. Après les travaux de l'Assemblée générale constitutive qui ont duré du 27 au 28 octobre 2017 à la Maison des Jeunes d'Alada, un bureau exécutif et un directoire, respectivement dirigés par Victorin Hunkwe-Sode et Dal Glokwe-Aza, ont été installés. Il nous reviendra de faciliter le dialogue interreligieux. Comme vous le savez, le Bénin est riche en culture et il nous faut cela. Ça sera une arme défensive pour régner dans tout le Bénin. Nous devons œuvrer pour la paix dans toutes les confessions religieuses, dans toutes les associations, et la paix en général dans l'Atlantique et dans le Bénin. Le FORA jouera le rôle de porte-parole de la société civile auprès des instances dirigeantes de notre pays, que ce soit au niveau de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, au niveau de la présidence. Nous allons nous y atteler par le soutien de chacun et de tous. Cette association rassemble autant les organisations professionnelles que les leaders religieux et coutumiers soucieux de rendre légal ce creuset pour la culture de la paix. Le FORA reste donc ouvert à l'adhésion de toute organisation religieuse et associative pour l'atteinte des objectifs fixés.